Bonjour, hello, hello. Bienvenue sur la chaîne Destinée Bifuma. Alors, si c'est votre première fois de tomber sur moi par hasard, ou bien YouTube vous a suggéré ma chaîne, ou bien un ami, si c'est votre première fois de me voir, d'abord, je vous remercie d'être là. Merci de visionner la vidéo et de grâce, abonnez-vous. S'il vous plaît, ça en tout cas, je préfère, je vais même le dire 100 fois, même 1000 fois dans la vidéo. Abonnez-vous, c'est pas difficile, hein. Tu cliques sur le bouton, tu cliques sur la cloche et le tour est joué. C'est pas dur. Alors aujourd'hui, on va parler sourcils. Vous savez, les sourcils, la plupart du temps, ça doit être. En fait, moi, c'est la première chose que je fais avant de faire tout mon make-up. Je commence toujours par les sourcils. C'est vrai qu'il y en a nombreux qui ne le font pas. Oui, d'autres personnes font d'une autre façon, mais moi, les sourcils, bon, bref, tout ça, c'est pour vous dire que c'est une étape primordiale dans le maquillage, dans mon maquillage. Bon, le vôtre aussi, peut-être, je suppose. Alors, de quoi aurons-nous besoin pour faire les sourcils? Nous aurons besoin. Je m'excuse pour mon crayon, il est petit, mais lui et moi, je ne le lâche pas. Nous aurons besoin d'un crayon marron. Un crayon marron, je l'ai presque achevé. Oui, je l'ai presque achevé. Un crayon marron. Un anti-cerne. Un anti-cerne. Et un pinceau plat. Je commence par peigner mes sourcils. Pas peigner, brosser. Je commence par brosser mes sourcils. Je les brosse en allant vers le haut. Et je prends le crayon. Par contre, moi, je ne sais pas pourquoi, mais je n'arrive pas à me faire des sourcils avec un crayon qui n'est pas bien taillé. En fait, vous voyez la pointe, elle doit être vraiment pointue. Quand elle n'est pas pointue, je ne sais pas, j'ai du mal. Bon, ça arrive. Donc, je les peigne vers le haut. Et je commence par tracer une ligne. Commence en bas. Donc, ce que je fais, je trace deux lignes faciles, hein. Je trace en bas, en haut et je remplis. Et voilà, première ligne. Ma deuxième ligne, par contre, elle se fait pas trop voir. J'espère que là, vous voyez. J'essaie de la redéfinir. Et on va passer au remplissage. En fait, moi, quand je remplis pas de façon à ce que ce soit trop marqué, trop gras à l'intérieur. Je remplis juste les vides qu'il y a, en fait. Vous pouvez voir, je laisse même les poils, je viens directement là. Et voilà. Il est un tout petit peu énorme, mais bon. De toutes les façons, je redéfinis le tout avec l'anti-cerne. Et après avoir fait ça, je sais, mes sourcils, ils sont pas pareils. Mais de toutes les façons, je sais pas, mais on a toujours un truc. Les deux, ils peuvent pas être pareils en fait. Vous pouvez voir, prenez bien, regardez-vous bien. Vous verrez que même vos seins, il y a un qui est plus gros. Vos pieds, il y a un qui est plus gros. Vos sourcils, il y a un qui est plus gros. Le mien, c'est celui-là, il est plus gros, ça se voit. Celui-là, il a l'air un tout petit peu. Il a l'air mieux que l'autre. Donc, ce que je fais, c'est que j'applique mon anti-cerne aux alentours. C'est celui de chez Pro Conceal.
proconsul. Je l'applique aux alentours pour essayer de redéfinir la forme. Alors, ce que je fais, je commence par le bas. Après avoir fait tout ça, ce que je fais, c'est que je prends mon Beauty Blender et j'estampe bien à ce qu'on ne voit plus. J'aurais pu m'arrêter là. En temps normal, quand je fais ça, ça va, c'est bon. Mais vous savez, il y a toujours le côté où on n'est pas satisfait, on veut toujours en rajouter. Alors moi, je rajoute quelque chose parce que je les trouve là quand même, ça va, hein. C'est pas trop mal, c'est pas trop mal. Bien que j'ai conscience qu'il y a un qui n'est pas comme l'autre. On va essayer de rattraper ça. Alors, ce que je fais pour qu'il y ait un peu plus d'éclat en fait, parce que là, le marron, c'est bien, c'est beau, mais moi, pour qu'il y ait un peu plus d'éclat, pour que ça soit un tout petit peu voyant, je rajoute un gel à sourcils, mais pas de couleur marron, mais de couleur noire. Je rajoute en toute petite quantité juste. En toute petite quantité. Vous pouvez voir, hein, j'en ai juste pris un peu. Un peu. Alors moi, j'en rajoute un peu. Et comme ça, c'est beaucoup mieux. Je trouve que c'est plus voyant. Là, on voit un peu plus le sourcil. On voit un peu plus. Nous voilà à la fin de cette vidéo. Si le résultat que vous voyez là vous aurait plu, je vous en prie, n'hésitez pas à liker et n'oubliez pas de vous abonner. Ciao, ciao!